sous les ordres. Ils viennent de s'élancer pour cette première épreuve, le prix Aurore, vos retraites actives, une course attelée 2275 mètres pour des poulains de 2 ans avec un très bon départ pour Général de Connay. On est bien parti également à son extérieur avec Godigeuse de Ladoux et complètement à l'extérieur, on vient maintenant avec Gitan Dubois alors qu'on est en 4e position avec Gaston Duroc et en 5e position maintenant avec le numéro 8, Gerwin Devey accompagné encore par Gilles Simon alors que le numéro 2, Jean-Drien, vient d'être disqualifié. Il m'a abordé le premier tournant avec maintenant Godigeuse de Ladoux, le numéro 10 qui a pris l'avantage. On est dans son sillage avec le numéro 12, Général de Connay, accompagné encore à son extérieur par le numéro 9, Gitan Dubois, alors qu'on vient en 4e position maintenant avec Gypsy Bond, alors qu'on se montre fautif actuellement avec le numéro 1, Gaston Duroc, qui on tente de progresser à l'extérieur maintenant avec également Grand Nord, alors qu'on note une nouvelle disqualification, celle du numéro 1, Gaston Duroc. Ils vont passer devant les tribunes avec le numéro 10, Godigeuse de Ladoux qui a l'avantage. Avec maintenant à son extérieur le numéro 9, Gitan Dubois. On est en 3e position, bien placé avec le numéro 12, Général de Connay. Alors qu'on vient maintenant à l'extérieur avec le numéro 11, Garodam. Gypsy Bond, le numéro 5, est en 5e position. On est toujours à l'extérieur maintenant avec le numéro 7, Grand Nord. Alors qu'à son intérieur, nous avons Geyser du Goutier avec également dans son sillage le numéro 4, Giant Chief, accompagné encore par Go The Best. Il reste moins de 2200 mètres à parcourir. C'est toujours le numéro 10, Godigeuse de Ladoux qui a l'avantage avec Eric Raffin. En 2e position, le numéro 12, Général de Connay, accompagné encore à son extérieur par le numéro 9, Gitan Dubois. Alors qu'on évolue sur un 3e rideau et côté corde avec Gypsy Bond également, avec Garodam. Et on est toujours piégé à l'extérieur maintenant avec Grand Nord. Alors que Geyser du Goutier est en 7e position, accompagné encore côté corde par Gerwin Deves, juste devant Giant Chief, accompagné par Go The Best. Il leur reste 800 mètres à parcourir, pas de changement en tête, à savoir le numéro 10, Godigeuse de Ladoux. Alors qu'en 2e position à l'extérieur, nous avons Gitan Dubois. Et on vient maintenant à l'extérieur avec Geyser du Goutier, le numéro 3. On se retrouve ainsi en 4e position avec le numéro 12, Général de Connay. Gypsy Bond est un peu pris de vitesse, est en 5e position. Alors qu'on donne des signes de lassitude maintenant avec Grand Nord. Le long de la corde, nous avons Gerwin Deves devant Giant Chief. Et on cède également complètement avec le numéro 11, Garodam. Ils vont aborder le dernier tournant. On a fait le trou maintenant avec Geyser du Goutier avec en 2e position nous avons Godigeuse de Ladoux, le numéro 10, avec en 3e position Général de Connay, avec Gitan Dubois également en 5e position Gypsy Bond. La dernière ligne droite, il leur reste 250 mètres à parcourir avec Geyser du Goutier, le numéro 3, qui a toujours l'avantage détaché de Godigeuse de Ladoux, avec en 3e position Général de Connay et Gypsy Bond, alors que le numéro 7 a été disqualifié. Il leur reste 30 mètres à parcourir, avec la cause est entendue maintenant pour le numéro 3, Geyser du Goutier, qui s'impose dans cette première épreuve. La 2e place pour le numéro 10, Godigeuse de Ladoux. La 3e place pour le numéro 12, Général de Connay, alors que le numéro 9, Gitan Dubois, a été disqualifié.